À 15 ans, j'étais amoureuse de Napoléon. Je rêvais que je le rencontrais dans un ascenseur. Il me faisait un enfant et je ne le revoyais jamais. Pauvre Napoléon. On m'avait appris, petite fille, notre père qui est aux cieux. Et moi, j'avais compris notre père qui quête aux cieux. J'imaginais mon père déguisé en bedeau barbu, faisant la quête devant le paradis. En principe, je viens de raconter une chose drôle. En tout cas, amusante. Vous pourriez, je ne sais pas moi, sourire. Oh là là, là là, là là, là là. Ouh. Est-ce que quelqu'un ici accepterait de me gratter le dos? Gratte-toi le ciel de grattera. Quoi? Gratte-toi le ciel de... Tiens! Avant de vous connaître, tous les deux, je ne riais jamais. Je faisais des têtes comme ça. Mais c'est fini, plus jamais ça. Maintenant, c'est comme ça. C'est vrai? À Eric Rohmer, ce jeudi soir de 1954. Vieille canaille, chère crapule, ami, escroc, fripouille, mon frère, sachez que j'ai 1000 choses à vous reprocher. À commencer par... Par... Je vous l'apprendrai plus tard. Sachez seulement que je vous offre l'occasion de vous racheter. Il vous faut me prêter sans retard et de vous-même l'acheminer jusqu'au cahier tout ce qui, en votre réduit, ressemble de près ou de loin à du matériel de cinéma. Lampes, bols, fils, pellicules, argent. Alors cessez de vous foutre du monde et sans retard me téléphoner ici même, au cahier, demain, si possible, matin, sans quoi vous auriez vite de mes nouvelles. Tout le monde ici vous fait risette, mais nous serons plus d'un à vous haïr si vous vous révélez incapable de rendre service à vos amis et acolytes. Ave et à bientôt de vous entendre. Truffaut. Non, non, c'est foutu, c'est de votre faute, Yorick, avec votre perche à la con, vous lui faites peur à ce chat. On n'a pas besoin du son pour ce plan, on fera un son seul. Oui, c'est ça, on ira le faire une lappe. Bon, alors attention, on est prêt, moteur. Pamela, 24 deuxième. Allons-y, Bernard, envoyez le chat. Bernard, fais-le venir, enfin. Ah. Oh, bordel. On coupe. Cut, on va refaire. Tu vas y aller, à un prochain coup, sinon je vais voir. Allons-y, Walter, sur le chat. Voilà, Bernard, le chat. Avance. Ah. Oh merde, qu'est-ce qui se passe là? Mais je comprends pas, il devrait y aller, il a pas bouffé depuis 3 jours, écoute. 24 huitième. Allez, balancez-le carrément. Coupé, oui. Bon, bah écoutez, c'est très simple, on arrête tout et on reprend le tournage quand vous trouverez un chat qui sait jouer. Écoute, Bernard, je t'avais dit de prendre 2 chats, c'était plus sûr. Pour ses vagabondages poétiques permanents, pour son goût du bonheur, des belles histoires et des belles actrices, pour sa nuit américaine transfigurée, pour tout et pour le reste, vivement Truffaut. Et grâce à vous, tout au long de cette soirée, on va parler de François Truffaut. Vous, c'est Antoine Debecq et Serge Toubiana. Vous avez ressuscité Truffaut dans cette biographie qui sort chez Gallimard. Alors on va peut-être partir de ce qu'on connaît le moins. Et ce que vous nous faites découvrir, eh bien c'est un Truffaut engagé, un homme dans son siècle, un homme qui finalement prendra des risques. Alors on peut peut-être parler par exemple du Truffaut du temps de la guerre d'Algérie et du temps du manifeste des 121, Serge Toubiana. Oui, Truffaut engagé, c'est un peu paradoxal, mais disons que sur quelques points précis et très... défini dans sa tête, il ne transigeait pas. Bon, c'est vrai qu'il a eu une expérience avec l'armée très douloureuse quand il s'est engagé à l'âge de 18 ans pour l'Indochine. Ça a viré au cauchemar. Donc il s'est retrouvé prisonnier en Allemagne dans une prison militaire. Il y est resté longtemps, plusieurs mois, un peu enfermé, coupé du monde, coupé du cinéma, coupé de la cinémathèque, coupé de Paris. Et ça a été une catastrophe pour lui parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une grande bêtise et que l'idée d'aller se battre en Indochine était grotesque. Et donc, il en a gardé des séquelles, une surdité un peu d'une oreille par exemple, à cause des bruits, des obus et de tout ce qui... de l'armement qu'il maniait pendant son séjour à l'armée. Et puis, une vraie haine de l'armée, de la hiérarchie. En 1960, par des amis à lui qui étaient en Algérie, Truffion, essentiellement Claude de Givray et Claude Gauter, il a eu vent des sévices que l'armée française faisait subir aux Algériens, ce qu'on appelait les Felagas, etc. Et
il en a tiré une vraie révolte contre le comportement de l'armée française en Algérie, sans être concerné tellement par l'Algérie. Ce n'est pas un dossier qui l'a intéressé du tout, puisque ce n'était pas très cinématographique. Mais il a signé le manifeste des 121, avec des amis à lui comme René, Caste, Sauté, Florence Malraux et quelques autres, et Duras, bien sûr, Mascolo et bien d'autres, Sartre. Et ça lui a fait à la fois plaisir de se sentir un peu engagé du bon côté, et ça lui a fait très très peur. Juste après, il se réfugie à la Colombe d'Or et il écrit à son ami Hélène Scott. Tout d'un coup, il est paniqué parce qu'il voit que Malraux, le fameux Malraux dont on ne cesse de parler ces derniers temps... Le papa de Florence, le ministre de la Culture, le ministre des Arts en France, etc. Bah, tout d'un coup, le Malraux devient un peu à l'image du régime gaulliste, un peu censeur. Et tout d'un coup, tous ceux qui ont signé le manifeste des 121 prennent un peu peur parce qu'ils sont interdits de radio, interdits de théâtres nationaux, menacé d'interdit de télévision, d'avance sur recette, etc. Et Truffaut, tout d'un coup, se rend compte qu'il s'est engagé. Et c'est assez inédit parce que toute sa jeunesse, au fond, il n'a jamais été engagé. Il était plutôt du côté des proscrits, du côté de ceux qui sont un peu rebelles, contre à la fois l'ordre établi et aussi contre, disons, la pensée, disons, dominante chez les dominés, qui était le marxisme. Et donc, 60, 61, c'est un vrai virage dans la vie de Truffaut. Il rencontre des gens de gauche, Elie Wiesel et autres, et il change réellement, il bascule dans un autre monde. Alors André Malraux va le poursuivre, parce que le même André Malraux qu'on célèbre ces temps-ci, eh bien, va continuer à l'embêter, puisque ça sera cet André Malraux-là qui va se battre pour l'éviction d'Henri Langlois à la Cinémathèque française. Antoine de Bec. Oui, c'est vrai que le combat, entre guillemets, de Truffaut contre... ce qu'on pourrait appeler le pouvoir gaulliste, en tout cas, est assez constant. C'est-à-dire que Truffaut s'est engagé au moment du manifeste des 121, il se réengagera, par exemple, aux côtés de Rivette, quand la religieuse sera aussi censurée. Et donc en 68, en février 68, quand il apprend que Langlois est menacé d'éviction à la tête de la Cinémathèque, il se mobilise, mais de façon extrêmement à la fois militante et puis efficace. Alors là, on peut dire que l'engagement de Truffaut politique rejoint son engagement cinéphile. C'est une cause. Parce que la Cinémathèque, bien sûr, la Cinémathèque, c'est le cœur du dispositif. C'est l'emblème, le symbole de l'amour du cinéma. Pour Truffaut, ça a toujours été ça. Dès qu'il a découvert le cinéma, Langlois était là, montrait des films. Et donc Truffaut, c'est sûr, s'est immédiatement engagé dans cette cause. Et on peut dire que c'est en grande partie grâce à lui et ses amis des Cahiers qui sont mobilisés derrière lui pour Langlois que Malraux a dû reculer sur ce point. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée d'enlever Langlois de la Cinémathèque pour, disons, essayer de coloniser, entre guillemets, le monde du cinéma, en tout cas de le rendre beaucoup plus... Beaucoup moins impertinent par rapport au pouvoir gaulliste. Et bon, c'est sûr que Langlois, réhabilité, remis à son poste quelques semaines plus tard, c'était, disons, puisque ça a été vécu aussi dans la rue, puisque devant la Cinémathèque, aussi bien à Chaillot que rue de Courcelles, les manifestants ont rencontré les CRS. Il y a eu un contact physique, un impact physique, bah, c'est l'expérience de 68, de mai 68, qui a été vécue 2-3 mois à l'avance par les cinéphiles. C'était a priori les moins faits pour vivre ce contact-là. Oui, mais... on les croit toujours réfugiés dans leurs salles obscures, et devant leurs bancs de montage, mais non, ils sont dans la rue. En tout cas, en 68, ils sont sortis dans la rue, et je crois que c'est quelque chose Truffaut était tout à fait fasciné par ça. Il a ensuite, d'ailleurs, été fasciné par le mouvement étudiant en 68. En mai 68, quelques mois plus tard, pour la première fois, là aussi, il ira manifester politiquement, d'une certaine manière, à la fin du mois de mai 68. Alors, je vous propose tout de suite de regarder un document qui nous a été prêté par la Cinémathèque française. Vous allez voir Godard et Truffaut, même combat pour défendre la Cinémathèque. En général, les films sont exploités pendant une période de 7 ans. Après, ils sont projetés dans des salles d'art et d'essai, comme celle-là. Si parfois leur vie peut se continuer... c'est grâce à Henri Langlois qui, à la Cinémathèque française, se charge de leur conservation. Et si vous avez choisi de venir voir le film que vous voyez ce soir, ou si vous avez l'habitude de revoir les films que vous aimez, vous êtes donc forcément des amis de la Cinémathèque. Alors n'attendez pas pour adhérer au comité de soutien de la Cinémathèque française.
Voilà, ils avaient bien préparé leur coup et manifestement leur échange était préparé d'avance, mais assez efficace. Oui, c'est vrai que ça, que très c'était vite. C'était le temps où il s'aimait encore, Godard Truffaut. Après, oui, ça va se gâter. Hein. Vous publiez des lettres absolument incroyables. Hein. Il y a une violence, de toute façon, chez les deux. Mais Truffaut était à la fois un grand épistolier. Il adorait écrire, mais il adorait aussi les lettres d'insultes. C'est sûr que oui. Truffaut, c'est. Jean Drouot, oui, vous confirmez? Ah oui, il y avait des lettres d'engueulade de 3 pages, et puis ensuite, 8 jours Amour. Après, ou. 15 jours après, il y avait une lettre d'excuse, mais qui était en 3 lignes. Alors c'était toujours comme ça. Et lesquelles étaient les plus vraies? J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Mais je voudrais ajouter quelque chose à ce que disent nos camarades. Là. Ce qui est extraordinaire chez François, c'est qu'il défendait l'Anglois, mais en même temps, il était conscient du bordel de son administration. C'était ça qui était formidable chez lui, c'est qu'il savait très bien qu'au fond, Malraux n'avait pas tellement tort de critiquer l'Anglois, mais il défendait l'Anglois par principe. C'est comme en 68, il était pour les étudiants, mais ensuite, il n'a assisté à aucune assemblée générale, il n'avait pas le côté Saint-Just, Robespierre et compagnie de Godard et surtout de Rivette. C'était Marie-France Pézier. Oui, il avait un côté. On le voit comme un être un peu faible. Et Godard s'était défilé à ce moment-là et des tas d'autres. Et que François était dans la rue pour vendre la cause du peuple. Il s'est fait foutre de sa gueule par les étudiants comme mystificateur. Oui, non, mais enfin, tout ça pour vous dire qu'il arrivait quand même. Enfin, il était assez courageux, il y allait quand même. Alors qu'on le présente comme un homme un peu mince. De la cause du peuple, par exemple. Il y allait comme ça. Mais il était intransigeant. Lesquels? La liberté de la presse. La liberté de la presse, le journal interdit, c'était scandaleux pour lui. L'enfance martyrisée, ça pour lui, c'était. Je veux dire, aujourd'hui, Truffaut aurait été. À mon avis, j'ai du mal à imaginer Truffaut aujourd'hui par rapport à plein de. Au monde contemporain, mais sur l'enfance, il aurait été aux avant-postes. Parce que c'était une question de principe. On ne touche pas à ça. Et si vous voulez, c'est ça qui est bien, c'est cet homme qui est plein de secrets, qui est un homme qu'on aurait tendance à mettre du côté du compromis ou de la grande pudeur, quelquefois même de la. En fait, était un homme extrêmement intransigeant sur des choses très très fortes, d'où les lettres violentes adressées à ses meilleurs amis. Moi, on en a rencontré des tonnes, femmes et hommes qui ont reçu des lettres violentes parce qu'ils avaient enfreint un principe qui était par exemple de ne pas dire certaines choses à un tel ou à une telle parce qu'il fallait que ça reste dans la relation. Il y avait la discipline intérieure en carrosse. Si on alors le carrosse, exemple, c'était donc cette maison de production qu'il avait fondée avec les sous de son beau-père. Quoi ? Faut pas que je gère, avec les sous de son beau-père, avec les sous qu'il avait rapporté. Je sais pas, c'est ce que disent les biographes. Et le succès de Morgan Stern. Et le succès de Campas les cigognes. Voilà. Parce que n'oublions pas que François a très bien conseillé son beau-père pour l'achat de Campas les cigognes. Ah ben oui, écoutez. Voilà. Il avait bien choisi. Le beau-père a marché, il a acheté Campas les cigognes pour 3,50 francs et il a fait un fric fou avec ça. Donc c'était tout à fait normal qu'il ait de la reconnaissance pour François. Non, mais tout ça, c'est pour revenir au film du Carrosse. Donc, il a fondé les films du Carrosse. Il a fondé les films du avec Carrosse. Avec sa compétence, son amour du cinéma. Et grâce à Marcel petit Berber aussi, à des très bons conseillers financiers. Et ces films du Carrosse devenaient une espèce d'institution dont j'ose dire que je fais presque toujours partie. Enfin, c'est parce que nous continuons à exploiter les films de François. Bon. Et c'est assez extraordinaire, quoi, cette constance des films du Carrosse. Mais c'était en même temps une maison où Suzanne, moi, De Givray, Revon, enfin, Jean-Louis Richard, on collaborait, on aidait à cette maison, mais on devait chacun nous tenir à notre place. Un jour, François m'a dit un truc absolument extraordinaire. Il m'a dit « toi, oui, je t'aime bien parce qu'au fond, tu restes à ta place. » C'est-à-dire, tu es scénariste, mais tu ne veux pas faire de la réalisation. Ça, c'est absolument caractéristique de François. Chacun dans sa case. La preuve, Suzanne Schiffman n'a osé réaliser un film qu'après la mort de François. Parce qu'elle savait que si elle réalisait un film du vivant de François, il l'aurait scié. Donc il vous faisait peur, au fond. Lui qui avait l'air si doux, si tendre, si espiègle, si gentil. Il me rappelait mon père, tout en étant beaucoup plus jeune que moi. Enfin oui, on a 7 ans de différence. Et il me rappelait mon père qui avait ce côté autoritaire aussi. C'est très curieux.
Alors courageux. Parce que c'était un patron. Oui, il avait une mentalité de patron. Renucci. On le voit pas comme patron. Ben justement. Enfin, il savait ce qu'il jouait. Il avait planifié. Justement, ne pas se laisser dicter quoi que ce soit par qui que ce soit. C'est, je crois que c'est fondamental, oui, ces trucs. Et d'avoir une ligne de conduite. Jamais se laisser dicter par ne jamais être pris au dépourvu. Donc évidemment, il s'est trouvé pris au dépourvu parce que la vie ne réserve que des imprévus. Mais ce côté, on prévoit tout à l'avance, on s'organise, on compte sur des collaborateurs. Très sûr. Prévoir le travail à l'avance. Si on sort un peu du truc, puisque moi, ma lettre d'engueulade, c'est parce que c'était un projet. Vous avez droit à une seulement de lettre d'engueulade. Une vraie, oui, une. Mais c'est parce que on avait un vague projet. On avait un vague projet. Non, mais dans la prochaine émission de la correspondance, ça y sera. Et on avait, mais j'en parle dans un de mes bouquins. Mais on avait un projet pour Robert Laffier. J'ai essayé de monter le projet en dehors du carrosse. Et ça, il ne pouvait pas le supporter. Il ne pouvait pas le supporter. Oui, quand tout dans la même famille. Quand avec ou avec Rossellini, aussi, des crises de jalousie. Ah, il y avait des crises de jalousie terribles. Quand René m'a demandé de faire mon oncle d'Amérique, c'était... Il fallait lui être fidèle, mais oui. C'est ça, fidèle. Oui, mais c'est une famille, c'est une ligne artistique. Alors, il disait, mais tu vas te faire chier avec René, c'est un emmerdeur. Et ensuite, il était déprimé, parce que je lui ai dit qu'avec René, je m'amusais beaucoup. Alors là, c'était la fin des haricots. C'était peut-être de la provocation. Et avec Truffaut, vous vous amusiez? Ah bon, on rigolait sans arrêt. Non, en fait, il était très drôle. On parlait d'un politique, alors il aimait classer les gens aussi. Ce qui me rappelait également mon père. Alors, il avait décrété que j'étais anarchiste de droite, alors qu'en fait, bon, j'étais au parti, j'étais communiste, bien sûr, à une époque où lui, alors, il flirtait plutôt, il allait voir Robatet, machin, bon, parce qu'il était comme ça. Il s'intéressait, par exemple, à des gens, il s'intéressait à toutes les victimes de n'importe quelle oppression, puisqu'il a quand même été voir Robatet lorsqu'il a été relâché après sa grâce. Vous savez que Robatet était condamné à mort. Il a été... Pour fait de collaboration et pour des écrits antisémites plus que musclés. Oui, mais François s'en foutait. À ce moment-là, il s'en foutait. Non, mais attends, c'est très compliqué. Parce que, par exemple, pour Brasillach, il disait Brasillach était fusillé. Quand un type a été fusillé, il trouvait ça bien, le type soit fusillé. Et ensuite, je me souviens de lui avoir amené une étudiante italienne qui préparait une thèse sur Brasillach. Et à ce moment-là, il s'était documenté sur Brasillach et il l'a découragé un peu. Parce qu'il avait lu les écrits antisémites. Alors ça, il ne supportait pas. Donc ça fait partie de l'intransigeance et des principes. C'est un mélange comme ça. Il était intransigeant. Qu'on fusille les gens, il n'était pas d'accord, mais en même temps, il n'était pas d'accord sur ce qu'avaient fait ou écrit ou dit ces gens. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. C'est... Alors on va voir tout de suite, si vous le voulez bien, un document pour rester dans le Truffaut que Marie-France a bien connu, un Truffaut militant. J'ai demandé à Antoine Debecq de nous commenter cette bande non identifiée parce qu'on n'en connaît pas exactement la date. Ça se passe en 68 et c'est aussi l'affaire Langlois. Et on va le voir là, dans la rue, très courageux, avec notamment à ses côtés Jean-Pierre Léo. Regardez. Alors ça, c'est quoi? C'est avenue de Messine, non? C'est rue de Courcelles. Ah. Donc, pour moi, c'est la manifestation rue de Courcelles devant le siège de la Cinémathèque. Et il y a une manifestation avec 400 personnes, 400 cinéphiles. Ça doit être le 20 février 68. Donc, on a l'impression que c'est des images de... Vous êtes un très bon historien. On a l'impression que c'est des images de mai 68, mais c'est trois mois avant. Donc en fait, mai 68 a commencé par le cinéma, la révolte des cinéphiles. Les CRS face à un public d'étudiants, de cinéphiles. Donc Léo Léo qui lit le manifeste de la fondation du comité de défense de la cinémathèque. Regardez Léo et Truffaut côte à côte dans cette manifestation. On voit quand même cette ressemblance physique troublante, non? Chabrol. Doyon. Il doit y avoir Godard aussi, pas loin. Il y a tous les jeunes turcs des cahiers qui, 20 ans après, se retrouvent, enfin 15 ans après, se retrouvent dans la rue face au CRS. Ouais. Alors, il est en plein tournage de Baiser volé. C'est ça qu'il y a. Il est en plein tournage de Baiser volé, Claude Jade. À cette époque-là, d'ailleurs, au cours des manifestations. Vous devez être, François, d'ailleurs, sur non, ce. Non, j'étais non. Pas. Vous n'y étiez pas. Vous n'étiez pas pour les manifs, vous? Non. Ah ben, vous pouvez le dire. Hein. Non, j'étais pas. Non, mais il y avait une personne qui a appris, qui après, dont on a beaucoup.
dont on a beaucoup parlé après, c'est Daniel Cohn-Bendit qui était là, qui était assis, et François m'avait dit, mais tu sais, il y avait un garçon aux cheveux roux, et c'était rigolo. Comment vous avez vécu cette période-là, donc, à ce moment-là? À ce moment-là, mais moi, je pensais surtout au film. Et puis après, bon, c'est vrai qu'après, il y a eu les grèves, il y avait tout ça, mais François m'avait curieusement interdit d'aller sur les barricades. Il ne voulait pas. Pourquoi ? Les femmes, pas dans la rue, dans le foyer ? Non, non, le tournage du film était fini, mais il m'avait dit, non, n'y va pas, il ne faut pas. Et j'étais tout de même allée une fois avec Hélène Scott. On était allés jusqu'au boulevard Saint-Germain, voilà. C'est intéressant de parler d'Hélène Scott parce que je crois que c'est donc sa confidente américaine qui était extrêmement engagée, elle, qui était vraiment une maman juive très engagée, marxiste, très intéressante au niveau de son combat et qui, je crois, lui reprochait souvent de ne pas l'être assez. Moi, je trouve ça passionnant. Il ne faudrait pas en faire un portrait de François Truffaut trop politique parce qu'au fond, il n'aimait pas la politique. Je crois que Jean Gros citait un moment, il me semble qu'il aimait François Mitterrand parce qu'il avait un physique de monarque. Donc, c'est pour voir c'est un certain humour qu'il avait face à toute politique François, et toute indépendance totale de les prénoms. Mais je lui ai dit, écoute, tu ne votes pas. Alors pourquoi tu l'invites à voter pas. Ah non, absolument, jamais il a voté. Les devoirs civiques, il a toujours refusé aussi de recevoir la Légion d'honneur, par exemple. Il a refusé la Légion d'honneur. Il ne votait pas en même temps, parce que j'ai su, enfin on m'a raconté, pour tout dire, c'est Claude de Givry qui me l'a dit, c'est qu'il avait dit une fois que ça le rendait malade, que son bulletin ne valait pas plus que celui d'un éboueur, par exemple. Ah bah dis donc, c'est drôlement démocrate comme réflexion. Alors c'est pour ça qu'un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu invites à voter Mitterrand, tu votes pas, alors que ça peut te foutre. Alors il m'a dit, parce qu'en même temps, il me disait qu'il admirait Madame Thatcher, qu'il admirait Marie-France Garraud, il aimait beaucoup les femmes un peu viriles, et en bottes. On en a plein de belles avec vous, Jean Gros. Il est pas à poil, mais c'est très curieux. C'est un homme de contradiction, c'est pas systématique. C'est ça qui est sympa. Comme dit Brigitte Fosset, c'est un homme, vrai homme, qui aime les vraies femmes. Alors il me dit, mais c'est parce que je suis monarchiste. Je lui dis, monarchiste, oui, je suis monarchiste de gauche, et tu es anarchiste de droite. Il dit, moi je suis monarchiste de gauche, et je trouve que Mitterrand, c'est un bon roi pour la France. Le suffrage universel, il aurait voulu qu'il y ait un collège de... Non, non, il était pour le régime censitaire. Ouais, en fait, Truffaut, c'était la politique en tant que spectacle, en tant que mise en scène. C'est-à-dire qu'il était face à la politique comme un critique de cinéma face à un film. Oui. D'ailleurs, il envoyait les coulisses de l'histoire. Il était des progrès ou des trucs comme ça. Il était fasciné par le personnage de Giscard aussi, comme comédien. C'est-à-dire la campagne de 1974. La politique était un super casting. Il a été fasciné d'abord par le Watergate. Il n'aimait pas de bord, mais. Il n'aimait pas de bord, mais enfin. En fait, il faisait les guignols avant nous. Oui, c'est le seul homme, je crois, pour lequel il a vraiment eu de l'admiration et du respect intellectuel, c'est Mendès France. Vraiment un respect pour. Parce que je crois que ça jouait beaucoup sur la taille. Le côté. Enfin, il aimait bien. Non, mais c'est vrai, il aimait pas les. Parce qu'il était, il n'était pas très grand. Il n'aimait pas de Gaulle, parce que sans doute que de Gaulle d'abord était un général, que de Gaulle en imposait trop, et qu'il y avait le côté héroïsme un peu. Bon, il n'aimait pas les grands hommes. Il aimait le côté. L'homme politique, c'est comme une ménagère, il disait. Il faut boulot. Pas les grands discours, les actes. Faire mitonner les petits plats, longtemps. Une vraie morale de. Il y a une vraie morale chez Truffaut, sur fond d'une vraie méfiance pour la vie politique, une vraie méfiance pour le monde politique. Il n'a jamais aimé les idées révolutionnaires parce qu'il dit que. Je sais pas, une usine, il disait qu'une usine dirigée par le collectif, ça, il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Le monde meilleur, il n'y croyait pas. Non, mais il était quand même. Marie-France Fédier, bien sûr. Des tas de choses de ce genre, il ne faut pas. Ouais. Oui, c'était quand même fondamentalement un homme de gauche. Mais très peu. Un homme révolté, en tout cas. Qui disait haut et fort qu'il fallait sans arrêt conserver ses idées. Il était homme de gauche quand De Gaulle était au pouvoir et il était très fasciné par. Dans l'après-guerre, par ceux qui avaient été les proscrits. Par les personnages. Il considérait la politique comme une scène avec des personnages. Si on parle de lui, c'est pas parce qu'il avait des opinions politiques comme chacun de nous, c'est parce qu'il était cinéaste. Alors je vous propose de regarder, last but not least, un extrait des 400 coups. Ah, te voilà, toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein? Et les parents tombent dans le panneau.
Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot. J'en ai pas, monsieur. Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fiche-toi. Excuse-moi, Monty, je pouvais pas savoir. Elle était malade? Bah oui, monsieur. Il fallait m'en parler. Faut toujours se confier à ses maîtres. Allez, rejoins tes camarades, va. J'aurais tourné le film le plus effroyable du monde si j'avais dépeint ce que fut mon existence. Rue de Navarre, entre 1943 et 1948. Mes rapports avec maman et toi. Durant toute la période des restrictions, je n'ai pas mangé un morceau de chocolat. Vous l'emmeniez à Blot. Vous partiez le samedi en ne me laissant pratiquement rien. Une des trois clés de l'armoire ouvrant la bonne tière, je me débrouillais en volant du sucre. Une rangée entière pour que ça ne se voit pas trop. Je vivais dans le mensonge et la peur dès le dimanche soir. Souvent le soir, avant ton retour du travail, maman me disait « Ton père est le seul à travailler dur ici. Quand je te demanderai si tu veux des légumes une seconde fois, tu refuseras, car il a besoin de manger plus que nous. » Je parie que tu ne me crois pas. Oh, c'était une grande preuve d'amour conjugal, mais un enfant qui se trouve le seul à l'école à ne pas avoir un goûter, cela le laisse rêveur. Devenu lâche et sournois, je ne l'ouvrais pas et vos amis admiraient ma sagesse à table. Je haïssais maman en silence. Et toi, je t'aimais bien, tout en te méprisant. À la visite médicale, quel drame s'il fallait ôter mes chaussures et révéler l'état de mes chaussettes. Il y a aussi un petit drame ridicule qui a influencé toute ma vie. C'est le repêchage du DEPP au lycée Rollin pour passer en sixième. À cette époque, j'étais encore un bon élève, et mon échec avait été accidentel. Au repêchage d'octobre, j'avais presque toutes les chances de réussir. J'étais en vacances à Juvisy. Dans le populaire, nous avons lu, grand-mère et moi, la date du repêchage, lundi. Et je vous ai écrit de Juvisy pour que vous veniez me chercher le dimanche. Cette lettre, c'est moi qui l'ai postée. Vous n'êtes pas venu le dimanche. Et je n'ai pas passé le repêchage. Alors vous m'avez inscrit à l'école communale où j'ai commencé à faire les 400 coups. Alors Robert Renucci dit de mémoire un texte qui est extrait donc de la lettre que François Truffaut a écrite à son père. Juste après les 400 juste coups. Juste après les 400 coups, parce que son père, dans ce très beau spectacle que vous interprétez dans une mise en scène de Marie-Paul André en ce moment même au Théâtre du Rond-Point à Paris, eh bien, le père avait envoyé une lettre extrêmement méchante quand il a appris dans les journaux, au détour d'une page, que son fils... avait probablement fait une œuvre autobiographique. Voilà. Et qu'il dépeignait donc des parents presque maltraitants. Dans cette lettre, François Truffaut précise qu'il n'a pas été un enfant maltraité. Il a été un enfant pas traité du tout. C'est le terme qu'il exprime. Donc toujours avec cette petite pointe d'humour surtout, simplement avec un grief immense d'avoir été un enfant négligé vraisemblablement. On se souvient dans les 400 coups du fait qu'il dormait derrière la porte d'entrée dans un lit dépliant que l'on dépliait tous les soirs et que sa mère enjambait pour passer le soir aux alentours de tard, après avoir peut-être eu une virée nocturne, peut-être avec un de ses amants. Donc, ouais. Cette lettre, par exemple, vous l'avez eue comment? Alors, la lettre dont on parle à l'instant, oui, que je viens de dire, c'est la chance que nous a donnée Madeleine Morgenstern, qui est donc la femme de François Truffaut, chez qui il est mort, il faut bien le dire, qui a toujours eu cette immense, infinie tendresse et ce respect de préserver le travail de François Truffaut, qui nous l'a donné pour le spectacle. Elle mais ne figure il pas. Il l'avait gardé? Il alors, avait gardé le double alors de la elle lettre est là. Qu'il écrivait à elle son est là, père. Elle est sous mes yeux. Il garde tout, j'ai l'impression. C'est votre chance, d'ailleurs, à vous. C'est sûr que dans la biographie, on est tombé sur ses trésors. Elle a été, bien sûr, retracée donc, par Marie-Paul André dans un scénario, ce qu'on appelle, si vous voulez, donc, d'où la déchirure. Mais c'est la lettre très exacte, avec l'entête des cahiers du cinéma, tapée à la machine, corrigée. À la fin de cette lettre, il dit « Samedi, j'ai relu cette lettre avant de l'envoyer et je ne puis rien en retrancher. »
Un enfant ne doit pas juger ses parents, je ne vous juge pas, mon film n'est pas autobiographique, bon baiser, bien. Mais quelle lettre terrible. C'est une lettre terrible. Ce qui est surtout hallucinant, je trouve, moi, et que c'est quelque chose chez Truffaut qui me stupéfie, c'est effectivement ce besoin de garder, parce qu'on garde à la rigueur les lettres que l'on reçoit, mais de garder les lettres que soi-même on envoie aux autres. Manifestement, alors, tous les deux, les inconservants, vous devez les avoir. C'est ce qui nous fait penser, il avait envie d'être lu, en tout cas, d'une façon posthume ou courant, parce que si on va dans les films du Carrosse, donc encore une fois, gardé avec beaucoup d'amour par la secrétaire Monique et aussi, bien sûr, Madeleine Morgenstern, on voit cette façon dont c'était archivé avec le trombone presque d'origine, très souvent rouillé, avec boîte par boîte, y compris la correspondance affective qui sera rendue aux lectrices. Alors, évidemment, vous n'éludez pas le problème autobiographique de François Truffaut, l'histoire du vrai père, de la recherche du vrai père, du faux père. En l'occurrence, c'est à son faux-père, entre guillemets, qu'il écrit cette lettre. Contrairement à ce le problème, c'est la mère, on a l'impression. Parce cette mère d'une bourgeoisie un peu rance et qui ne l'a jamais, jamais aimée. Il y a de la tendresse dans cette lettre. Il dit, François Truffaut préférait son père adoptif plutôt que sa vraie mère. Oui, il le lui dit. Il lui dit même à un moment, j'ai toujours cru que maman n'était pas ma vraie mère et que tu étais mon vrai père. C'est-à-dire vraiment une inversion symbolique qui est quand même pareil. Mais même dans cette lettre que vient de dire Robin... C'est une lettre de quelqu'un qui... C'est pas une lettre de haine, il y a de l'estime. Mais simplement, on fait les comptes. À un moment donné, on fait les comptes et on s'aperçoit qu'à chaque moment décisif de l'enfance, à chaque période marquante, les parents n'ont pas été à la hauteur. Et il le dit. Et il le dit pas à sa mère. Je crois qu'il n'aime pas assez sa mère pour oser lui faire ses reproches. C'est ça qui est très impressionnant. Dans la frappe, en effet, lorsqu'il n'y a que vous... Il s'est corrigé ensuite à la main, et rayé, ça a été donc frappé à la machine, par un trait qui dit « tu » à chaque fois. C'est une lettre qui a été adressée aux deux, troublant. Et qui en fait a été ensuite, en fin de compte, adressée seulement au père, au bureau de surcroît, pour ne pas que la mère le lise si possible. Alors vous ne vous transformez pas en psychanalyste, vous ne mettez pas François Truffaut sur le divan, cependant vous êtes des fins limiers, vous avez travaillé très longtemps et vous avez eu accès à des archives totalement inédites. Alors question évidemment qu'on se pose... Est-ce que, sans ce poids de souffrance si terrible, si forte, si intérieure, qu'il a tant travaillé, est-ce que François Truffaut serait devenu cinéaste ? C'est sûr que Truffaut a toujours travaillé sur sa vie. C'était sa vie qui était le matériau de son cinéma. Donc, il y a d'une part cette idée que ses archives, ça lui servait aussi de comme un procès verbal permanent. De matériel pour ses scénarios. Et un matériau romanesque aussi. Un matériau romanesque, un matériau presque de document aussi, une sorte de preuve, de statut de vérité de son existence par rapport à ce qu'il allait retranscrire en fiction dans les films. Alors, par ailleurs aussi, on peut dire que c'est grâce au cinéma que Truffaut s'est sauvé. C'est-à-dire que cette enfance et cette adolescence très difficile, aux limites de la délinquance, on peut dire que Truffaut en a fait à la fois un matériau de cinéma, et c'est grâce au cinéma qu'il a pu se sauver et il a pu devenir quelqu'un qui, comme il dit, quelqu'un de bien. Et donc, je crois que il a aussi gardé tout cela parce que c'était la preuve, d'une certaine manière, d'une forme de réussite pour lui, c'est-à-dire cette manière d'être devenu quelqu'un alors qu'il avait été un enfant comme cela. Je crois que ces archives, les archives du Carrosse, c'est une métaphore complète de sa vie, de ses envies, de ses manies, de ses haines, de son caractère polémique, injuste, et en même temps de ses amours aussi, tout est là. Et c'est quelque chose d'extrêmement émouvant. Je crois que Robin, vous avez fait cette expérience de se promener dans les films du Carrosse. Vous êtes incroyable, parce que sur scène, vous n'êtes pas François Truffaut, et vous l'êtes quand même. C'est-à-dire que vous vous mettez dans ses mots, sans essayer de devenir lui. Dans son souffle, c'est le travail de l'acteur, je crois, qui est tout simple. On a quand même Yvan Attal à côté de nous aussi, qui peut sans doute témoigner de ce travail que nous essayons de faire, je crois. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie trop de faire les histrions. Ce qui est formidable, c'est de se mettre, comme disait Jouvet, dans les pas de quelqu'un d'autre, dans le sable. Et le fait de marcher dans ses pas nous redonne son rythme, sa respiration. Et c'est un travail d'acteur absolument magnifique que de se glisser dans la respiration de quelqu'un. Moi, je n'ai pas envie de jouer François Truffaut. Je suis simplement l'acteur, en effet, qui est allé... Jamais rencontré.
Non, non, il a vu un de mes films, qui était un de mes premiers films, de Gérard Mordillat, qui s'appelait Vive la sociale, ouais. Donc qu'il cite à un moment dans une à la fin de ses dernières lettres. Il l'avait beaucoup aimé, c'est ce qui m'a aussi donné le fait que, je crois que, avant de faire ce travail, j'avais le désir de ne pas violer quoi que ce soit, c'est-à-dire d'avoir presque l'assentiment, je dirais, de Madeleine Morgenstern, bien sûr, de Fanny Ardant aussi, et de gens qui ont été très, tellement proches au point de ne pas faire un travail de viol sans son accord. Le fait même de ce que l'on disait, qu'il est à ce point archivé, ça sous-entendait qu'il aurait aimé sans doute que ça existe. Et bon, maintenant, c'est là, comme l'histoire des grands hommes qu'il faut raconter, je crois. Yvon Attal, vous aimez François Truffaut? Vous avez vu certains de ses films? Oh oui, j'en ai vu beaucoup. Beaucoup? Oui, j'en ai vu beaucoup. Le seul problème, c'est que j'en ai vu très, très peu en salle, en fait. Ah ouais. J'en ai vu beaucoup à la télé. Parce qu'on les voit de moins en moins en salle, ils sont de moins en moins accessibles. J'en ai vu beaucoup à la télé ou en vidéo. Dans les festivals. Marion Verneau. Les droits qu'on touche, hein, je vois que... Ah. Il est rentré à la Cinémathèque, quoi, d'une certaine façon. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un cinéaste, quoi, que j'ai découvert aussi bien à la télé qu'au cinéma. Je crois que le premier film que j'ai vu de lui en salle, où j'étais assez grande pour y aller, ça devait être La Chambre verte. Ouais. Ouais, j'avais... Je sais pas, vieille, hein. Enfin. Et voilà, c'était le moment où je commençais à aller au cinéma. Mais pourtant, c'est un des plus gros bides. C'est pas un film pour enfants, ni même pour adolescents. Hein. Ah, c'est un film qui fait peur et puis qui vous transperce. Ouais. Ça m'avait vachement marqué, d'ailleurs. Ah, ouais. Ça fait peur, hein. Je sais pas, La Chambre verte, peut-être que quand on est enfant, chambre, ça donne envie d'aller au cinéma, je sais pas. Ah, mais il est possible que pour un enfant, c'est... Ça m'avait une certaine fascination. C'est peut-être d'ailleurs un des films les plus troublants, non, de la filmographie de François Truffaut. Bah, bon. C'est-à-dire que non. Quand on le voit a posteriori, ça déménage. Ouais. Mais sur le moment, moi je l'ai, puisque je suis co-scénariste de ce film, j'étais pas très emballé. Il a dû vraiment me botter les fesses pour que c'est je. C'est un roman de Tenizaki, donc. Henry James, qui ensuite a travaillé. Henry James. Oui, vous avez fait retravailler beaucoup de fois là sur ce scénario, non? Vous a torturé? Non, il ne me torturait pas, c'était comme ça. Il me payait très peu, comme ils nous payaient tous très peu. Mais on n'avait aucune obligation de temps, de trucs comme ça. Et alors, il m'encourageait à travailler à la télé, à travailler avec René, par exemple, ou Rossellini, enfin, pour essayer de gagner ma croûte, pour nourrir ma petite famille. Mais il nous payait très, très peu. Et ça, on a compris. Bon, alors, il nous payait très peu, mais il nous laissait. Vous travaillez pour la gloire, Jean. Par amitié, je connaissais François depuis 49, vous vous rendez compte? On avait été amoureux de la même fille, qui était incarnée ensuite. Par Claude. Par ces dames. Oui, par ces dames, Colette et Christine. Etc. Donc on avait des tas qui de avait gagné liens. Dans le combat amoureux? Bah, personne. On s'est fait foutre de notre gueule d'une façon admirable. Bon, il y a même Godard qui était dans la course aussi. Il n'a pas gagné. C'est pas lui qui a gagné? Non, c'est un garçon bouché quelconque. Qu'est-ce que vous avez contre les garçons bouchés? Bah rien, ils doivent baiser mieux que nous. Ça doit... J'en sais rien. Mais enfin bref... Mais ça, on avait des liens comme ça et qui ont duré et qui se sont développés par la suite. On a des tas de complicités. Revenons à James. Mais James, j'adorais James parce que François a commencé à penser que j'étais un scénariste à part entière quand il a vu un téléfilm que j'avais fait avec Enrico, pourtant pas le même genre de cinéaste, pour la télé, pour le RTF, qui s'appelait La Redevance du fantôme, qui est une nouvelle de James, qui était jouée par Marie Laforêt. Et à partir de ce moment-là, on s'est remis à travailler sur James. Mais James, nous, vous savez, on avait comme ça une espèce d'éventail d'auteurs, qui étaient Léoto, qui étaient James, qui étaient Proust, etc. Et Henri Pierrochet, bien sûr, dans lesquels nous puisions. Il y avait des répliques qui venaient de l'un ou de l'autre, des idées de scénario. Dans notre scénario, à l'époque, là, dont j'ai fait un roman, il y avait également le schéma central vient d'un roman de James absolument peu connu. Mais d'ailleurs, il le dit à un moment, Robin Renucci, dans une de ses lettres qu'il envoie je ne sais plus trop qui s'est sans doute trompé, qu'il aurait dû avoir plus d'allant et plus... prendre plus de risques et ne pas sans arrêt pomper dans les œuvres des écrivains. Ça va être Jean Leboy. On pompait beaucoup. Vous pompiez, Jean. Je continue, d'ailleurs. J'adore pomper. Je faisais allusion à Tenizaki tout à l'heure. Godard, il prélève des passages entiers. Le prélèvement et le montage. Grand lecteur, François Truffaut. Ce que dit Claude Jade est très juste. Il pompait partout. Il pompait aux gens. Il vous pompait aussi. Non, pas... Oui, enfin, il prenait... Parce que vous viviez. Bien sûr. Il
prenait. Dans la trajectoire, c'est parfois 5 ou 6 ans auparavant. Par exemple, je pensais à Talizaki tout à l'heure, parce qu'il cite donc Akoshi Yamada. Dans une lettre, il lui parle des belles endormies et des contes de pluie et de lune qu'il a donc vus 5 ou 6 ans avant même, au moment du roman d'Henry James, avant même que le scénario soit écrit. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de ligne dont on parlait tout à l'heure, d'entêtement, d'homme entêté, oui. Qui lisait un livre et qui ensuite faisait travailler plusieurs personnes, toujours dans un rapport très individuel aussi. C'est ça qui est intéressant, je crois. Il en restait 5 ou 7 ans. Moi, Adélache, c'est incroyable le temps que j'ai passé. La grande question, c'est de comparer Truffaut à notre époque. Et ce qui est fort chez Truffaut, c'est qu'il n'hésite pas à dire aux autres, aidez-moi. C'est ce qu'il a dit à Gruot, c'est ce qu'il a dit à Jean-Louis Richard et à beaucoup d'autres scénaristes, mais y compris à ses acteurs, à ses actrices. C'est le côté... Enfin, la tambouille, on l'a fait ensemble. C'est-à-dire, un film, c'est vraiment... Et il le fait avec énormément d'énergie... De vitalité, de vaillance et aussi de culot. Il y a pas de... Et de modestie. Et en fait, tout ça est une vraie modestie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un auteur de film, souvent, on ne le définit pas comme ça. On ne le définit pas comme quelqu'un qui pique et qui fait assemble à sa manière. Et chez Truffaut, il y a cette force-là qui vient de, je crois, de son enfance. C'est qu'il a toujours eu besoin des autres et il a toujours su quoi prendre chez les autres. C'est un art aussi. C'est une grande assurance, je trouve. Marie-France Pizier. Mais Marion Vernoux, on va parler de votre film, Love, etc., qui est une adaptation de Julian Barnes. Au fond, vous continuez sur le même chemin de l'adaptation d'auteurs contemporains. Oh ben, on est plein à avoir suivi ce chemin à un moment ou à un autre, parce que c'est vrai que c'est bien d'aller voir chez les autres. Nous, on a acheté les droits, mais... moi, j'avais envie, plutôt qu'effectivement d'aller chercher chez moi un truc à raconter, d'aller voir chez quelqu'un d'autre et... Et aujourd'hui, vous qui êtes si jeune et qui n'avez pas atteint l'âge qu'avait Truffaut quand il dit dans une de ses lettres qu'il n'a pas pris assez de risques avec lui-même et qu'il aurait dû plus écrire, vous n'avez pas cette impression ? Non, parce que je trouve ça assez risqué, personnellement, de s'attaquer à un bouquin qu'on trouve magnifique et puis de se dire qu'il va falloir que ça fasse du cinéma. Et puis c'est vrai que je ne suis pas la première à traiter du sujet du trio amoureux, et donc moi je me suis dit que c'était quand même un peu pas gonflé, parce que je fais pas ça pour épater la galerie, mais c'était difficile de passer derrière plein de grands hommes. Alors on compare Love, etc., certains le comparent à Jules et Jim, ça vous plaît comme comparaison? Vous avez revu et re-revu Jules et Jim avant de vous lancer dans le tournage de Love, etc.? Non, justement, j'ai évité. Par contre, on aimait bien que. On adorait Truffaut et on aimait bien ce type d'émotion que ça procure. Quand vous dites on, c'est l'équipe d'acteurs, c'est le projet là aussi, il y a du collectif. Tous les quatre, oui. On aime bien plus le type d'émotion que procure ce cinéma-là plutôt que comment il est fait. Moi, je ne sais pas, malheureusement pas faire comme les autres. Enfin, je n'y arriverai pas, même à pomper comme ça. Par contre, on aimait bien, mais ça peut aller de Sauter à Truffaut, à. Comme ça, des films sentimentaux qui nous ont vraiment marqué, les deux Anglaises et le continent. Moi, ça m'a complètement... Bide aussi, je crois. Hein. Bide absolu. Hein. Et alors, encore, on l'a ressorti. Parce que François, au fond, un de ses derniers travaux, ça a été de remonter. D'ailleurs, notre il n'aimait pas quand ça marchait, au fond. Comment? C'était terrible. Il le rendait dépressif, déprimé. Mais moi aussi d'ailleurs, je rends de ça. Surtout qu'il ne vous payait pas beaucoup, c'est ça. Ah oui. Non mais là, je dois... Alors il faut dire une chose qui est extraordinaire sur l'esprit d'organisation de François. 2 mois avant sa mort... Il avait vu le père Mambrino, qui est une espèce de jésuite, là, qui faisait... Alors, vous n'aimez pas les garçons bouchés, vous n'aimez pas les jésuites. Non. Oui. Alors, C'est un jésuite. Non, c'est un jésuite, du point de vue orthodoxie, douteuse, d'ailleurs. Orthodoxie douteuse. Bah, écoutez, il n'est pas là pour... ce pauvre père Mambrino, mais enfin, bref, c'était un ami de François, et François l'admirait à cause de son immense culture. Alors, il savait qu'il allait mourir, plus ou moins, enfin, sans se l'avouer trop, il ne savait pas trop. Et il a vu le père Mambrino, 2 mois avant sa mort, et il a réglé minutieusement sa messe funèbre. Car on a célébré une messe après sa mort. À Saint-Roch,
Et une messe, il y avait le nombre des cierges qui était précisé, car il avait une fascination pour les cierges. Il l'avait prouvé dans la chambre verte. Ouais. Oui, il l'avait prouvé dans la chambre verte, mais c'était les petits hôtels, ça datait de son enfance. Si vous avez dans les 400 coups, l'hôtel à Balzac, vous avez l'hôtel à Pinson dans Adélache, il y a toujours ce petit hôtel. Et ça, moi, je ne suis pas l'auteur de cette partie de... Lui, c'est les films bougies. C'est ce qu'on appelle les films bougies. Lui, c'est les films bougies. Film bougie. Quand ça coule, quand l'émotion nous fait pleurer. Il a fait tout ça. Et en même temps qu'il préparait son truc, il y avait même le texte de Proust, qui était lui, qui est la mort de Bergotte, il y a peut-être qui a été lu à cette messe, où j'étais. Et il y avait le passage du Saint-Jean, qu'on lit toujours, sur la résurrection de Lazare. Et tout ça avait été préparé par François avec le père Mambrino. Et ensuite, et en plus, il avait réglé tous les contrats. C'est-à-dire qu'après la mort de François, j'ai été convoqué au carrosse, j'ai vu l'entretien, et on m'a fait signer un renouvellement de mes contrats, et je touche des droits sur tous les films auxquels j'ai participé. C'est formidable quand même. C'est incroyable. Cette manière de gérer sa vie, au-delà de sa mort, de la vie de la petite Joséphine. C'est un metteur en scène. Il a mis en scène tout. De même que Robert Renucci lit une lettre où il raconte pendant... Ah ben, allez-y. Eh ben voilà. J'ai tourné 13 films. Quelques succès relatifs, quelques échecs relatifs, 3 bides absolus. La peau douce, la sirène, les deux anglaises. C'est une lettre à Jean-Louis Bory. Que me reprochez-vous au juste? De ne pas avoir eu assez d'échecs ou de réussites? Sur ces 13 films, lesquels vous apparaissent comme des concessions au système? Quitte à vous ennuyer un peu, je vais faire un long flashback pour vous décrire sommairement le cheminement de mon travail depuis 15 ans. Je regarde un tout petit peu mon papier quand même, j'étais bien parti. Puisque vous semblez souvent penser que j'ai descendu la pente fatale, sans préciser jamais la date exacte. Je vous rappelle qu'après les 400 coups, mon village à l'heure nouvelle vague, j'ai tourné Jules et Jim, et le pianiste. J'ai relu récemment votre article enthousiaste dans Art. Puis, la peau douce. Bon ou mauvais, peu importe. Mais après ce big fiasco à Cannes, me voilà quasiment chômeur. Un producteur italien m'offre une petite fortune pour tourner un sketch avec Soraya. Et en plus, il achètera la peau douce pour l'Italie. Je réfléchis 24 heures. Je rencontre la princesse, pourtant charmante, puis je refuse. Antonioni héritera de Soraya. Alors je me balade partout, mon script de Fahrenheit 451 sous le bras, Bernic. 2 ans plus tard, je parviens à faire le film, à condition que ce soit à Londres et en anglais. Entre-temps, je refuse Paris brûle-t-il, À la recherche du temps perdu, L'étranger de Camus et Le Grand Maul. Vive le système. Je tourne ensuite La mariée était en noir, Baiser volé, qui a failli ne pas se faire, le script étant trop mince, et La sirène du Mississippi. Ce dernier film m'avait été proposé 2 ans auparavant avec Brigitte Bardot. J'avais adoré le roman. J'avais dit, Bardot, pas question, ce sera Catherine Deneuve ou personne. J'ai patienté dans l'ombre et dès que les droits ont été libres, je les ai achetés avec de l'argent prêté par Jeanne Moreau. Vive les vrais amis! Et j'ai tourné le film à mon idée, bonne ou mauvaise, mais à mon idée. Ça, c'est important de savoir que... Ouais. Il y avait cette espèce de volonté. Vous avez vu, on a l'impression que c'est Truffaut qui parle quand Robert Renucci. Elle répond. C'est une lettre extraordinaire à Bory qui lui dit que, en gros, qu'il l'accuse d'avoir de faire partie du système. Ramassé par le système. Et Truffaut, là-dessus, est d'une. Enfin, c'est une lettre très morale. Il défend son indépendance, son artisanat, son cheminement. C'est travailler complètement librement. Voilà, c'est ça. Et tout était organisé pour ça. Il fallait qu'il puisse compter sur les copains. Alors, sur le petit groupe du carrosse, sur la famille du carrosse. D'ailleurs, vous avez toujours été fidèle et personne ne l'a quitté, au fond. Non. Vous êtes tous restés à ses côtés. Parce qu'on pensait que c'était le même combat. Comme... Alors, les garçons, bien sûr, mais aussi les filles, je vous propose de regarder un extrait. Alors, petit flashback. Nous sommes en 1962, un extrait d'Antoine et Colette, la scène du repas. Vous allez pouvoir y découvrir Rosy Vart, Jean-Pierre Léo et Marie-France Pizier. Vous avez encore vos parents? Oui, mais enfin, je les vois pas souvent. Je m'entends pas très bien avec eux. Oh, comme c'est dommage. Elle doit être désolée, votre maman, de ne pas vous voir. Bah, vous savez, c'est un peu de ma faute. Lorsque j'étais à la maison, je me sauvais souvent de chez moi. Eh ben... C'est pas Colette qui nous ferait ça de jeu. Oh, chiche. Eh bien, pour moi, la famille... Question. Où est-on mieux qu'au sein de sa famille? Réponse, partout ailleurs. Hervé Bazin. Oui, c'est dans le père au point. Colette a l'air comme ça, mais vous savez... Maman, elle est... Quoi? François, ça nous
plutôt moi. Je suis pas rien. Tiens, moi aussi. Je suis pas respectueux du tout. Merci. Moi aussi. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la manière dont il piquait, dont il volait des moments et puis des histoires à toutes celles et tous ceux qui l'entouraient. Dans votre mémoire, Marie-France Pizier, il vous reste quelle image de François Truffaut? Un directeur d'acteur ou quelqu'un avec qui vous collaboriez? Parce que vous avez travaillé avec lui à des scénarios. Oui, j'ai travaillé avec lui, mais enfin, au début, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que c'est une photo qu'on avait envoyée de moi, qu'il a fait venir à Nice et qui m'a fait travailler avec d'autres actrices et me sélectionner. Je savais très peu de choses du cinéma. Et j'ai appris, si vous voulez, le souvenir que j'ai de lui, c'est que c'était un extraordinaire pédagogue et qui m'a vraiment fait apprendre beaucoup de choses sur le cinéma. Ça, c'était formidable. Mais... Vous étiez plutôt du genre Renard qui est... Oh, j'étais étudiante. Sérieuse, quoi. J'étais étudiante sérieuse, oui. Mais je connaissais rien au cinéma, alors que lui m'avait vraiment appris, mais très simplement, ce que c'était qu'un travelling, un machin, tout ça, c'était formidable. Mais pour en revenir à la direction d'acteur, moi j'ai un souvenir pendant L'amour à 20 ans qui m'avait absolument halluciné, parce qu'il avait vraiment envie qu'on soit très naturel et tout ça. Et Jean-Pierre, à un moment, traverse la rue et il est chargé de livres parce qu'il veut déménager en face de la fille dont il est amoureux, c'est-à-dire moi. Et Jean-Pierre, je me souviendrai toujours de ça, se penche vers François et lui dit: mais attends, là, je traverse. Je suis dans quel état? Et François lui dit: débrouille-toi pour pas te faire écraser. C'était quand même, il avait quand même cette idée. Il détestait le travail laborieux, les répétitions laborieuses. Et il avait quand même envie très très souvent qu'on apporte soi-même des choses que l'on avait, quitte à vous diriger, mais d'une façon insidieuse, quoi. Il était plutôt du genre te fais pas écraser, quoi. Il n'était pas dans le pathos. Très concret, très matérialiste. Il était très concret, pas du tout, oui. Intellectuel. Il y a une scène qu'il appelle dans la scène d'amour là, dans l'amour à 20 ans. C'est une scène de jeunesse musicale et tout ça. Moi, je me souviens, c'était une des premières scènes que j'ai tournées avec lui. J'avais une espèce de chaîne autour du cou. Et il me disait, prends ta chaîne, bouge-la à tes lèvres, non, remets-la là, etc. Enfin bon, il disait des choses extrêmement précises de ce genre-là. C'était Liliane, c'était votre amoureuse, celle-là. Ah oui, c'est celle que vous n'avez jamais eue. Il reproduisait. Il reproduisait les gestes qu'il avait vus. Ouais. Ça me touche particulièrement parce que c'était toujours ça. Est-ce que Liliane a été voir les films? On n'en sait rien. Je sais qu'elle a vu les Mistons, puis je l'ai retrouvée au Miston, elle avait beaucoup grossi. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de dames qui... Elle connaissait peut-être un garçon bouché. Quels étaient le personnage, parce que quand même, comme chacun sait, il a aimé beaucoup de dames, et il y a beaucoup de dames qui se retrouvent chaque fois dans les personnages qu'on a eu l'occasion d'interpréter. Alors, je vous propose tout de suite de regarder un autre extrait, c'est L'amour en fuite, ouais. À la scène dans le train, avec donc toujours vous, Marie-France, et puis Jean-Pierre Léo, toujours. Je sais bien que c'est difficile de juger ces choses-là de l'extérieur, mais il me semble que vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts pour protéger votre couple. Je me trompe? Non, c'est même le contraire. Quand je me suis mis à écrire les salades, à raconter mon adolescence, je suis devenu nerveux, irritable. Mais Christine ne m'a pas aidé à traverser cette période. J'ai senti qu'elle ne m'approuvait pas. Alors j'ai commencé à avoir des aventures à l'extérieur. Des aventures que je n'avais pas eues avant notre mariage. Les disputes sont devenues quotidiennes. Et puis nous en sommes arrivés à une première séparation. Allô? Allô, j'aimerais un taxi pour le 17 rue des Cases. Oui? Dans 6 minutes. Très bien, je vous remercie. Est-ce que tu sors? Ben oui, je sors. Mais écoute, si tu veux rester plus longtemps avec Alphonse, tu peux. Madame Martin fera un dîner. Non, non, je t'accompagne. Au revoir, mon bonhomme. Sois bien sage, mon chéri. Au revoir, maman. Au revoir. Au revoir, Alphonse. Bonsoir, madame. Bonjour, bonsoir. Papa. Vous savez comment on allume la télévision? Oui, oui, merci. Très bien. On s'occupe de bien Alphonse. Oui, bien sûr. Alors, c'était une photo pour Marie-France Pizier. Avec vous, ça s'est passé comment, Claude Jeanne? Ben, ça s'est passé très bien, simplement, parce que bon, la preuve, c'est que j'ai retrouvé François au fil des différents films. Mais comment vous a-t-il choisi? Moi, il m'avait vu au théâtre où je jouais avec la compagnie Sacha Pitoef, je jouais Henri IV de Pirandello. Et il était là le soir de la générale, et je me rappelle très bien que Sacha nous avait montré une lettre enthousiaste écrite par François Truffaut pour dire qu'il avait beaucoup aimé le spectacle. Mais après, ce que j'ai ignoré pendant longtemps, c'est qu'il est revenu voir le spectacle sans se faire connaître. Il est même venu, je crois, avec Madeleine Morgenstern. Et c'est comme ça qu'il m'a choisi pour jouer Baiser volé, pour tourner Baiser volé. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être l'incarnation de ces fantasmes féminins? Oh, j'ai pas du tout eu cette impression. Je connaissais rien au cinéma. C'était mon premier film. Et à l'amour?
L'amour, pas grand-chose non plus. Je dois dire que j'étais comme Marie-France quand elle a rencontré François, quelqu'un très jeune aussi et sans expérience aucune. Et la première chose qu'il m'a dit et qui m'avait beaucoup déçue à l'époque, c'est « ne jouez pas ». Alors quand on est soi-même déjà quand même comédienne sur scène et tout, et j'ai compris qu'en fait c'était le plus grand conseil qui m'avait été donné. Mais justement, ne jouez pas, est-ce que ça ne veut pas dire la vérité d'un sentiment, faire en sorte que le cinéma soit l'expression d'une vérité? Bien sûr, et que la caméra vienne chercher les expressions sur votre visage et non pas avoir à jouer pour un public et passer la rampe. Il avait beaucoup de mal à se plier aux répétitions. C'est vrai que le côté laborieux des répétitions, c'était quelque chose qui le barbait terriblement. Il avait envie que le passage... prises. Pas trop. Le passage de la vie au cinéma devait se faire avec la grâce, quoi. C'était l'idée du travail, du labeur, c'était quelque chose qu'il n'aimait pas. Il aimait pourtant les comédiens sortant de l'acteur studieux. Oui. Et ça, c'est destiné à Gérard Blin, oui. Ils sont les mistons. Je vous propose de voir la grâce de Claude Jade, dans un extrait de Baiser volé, les retrouvailles entre Jean-Pierre Léaud et Claude Jade. Bonjour, Christine. Bonsoir, Antoine. Je suis très contente de vous voir, vous n'avez pas changé. Alors, vous en êtes sortie? Ah oui, tout de même. Oui, c'est ce que mes parents m'ont dit, mais il faudra vous raconter ça. Oui, entendu. Et vous êtes rentrée aujourd'hui? Oui, ce soir, alors je suis venue aussitôt. Vous êtes content ici? Oui, ça va, c'est pas mal. C'est tranquille. Mes parents ont peur que vous preniez froid la nuit, ils m'ont dit de vous amener ça. Qu'est-ce que c'est? Des granulés. Non, c'est très gentil. Ah si, prenez-les tout de suite, sinon vous oublierez, si. Bon. Vous voulez un truc à boire? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu de tout, de l'eau minérale, du Coca-Cola. Un Coca, oui. Vous savez, je pensais qu'on se reverrait plus. Vous ne m'avez pas écrit depuis 6 mois. Oui, mais le plus souvent, j'étais en prison ou bien à l'infirmerie. Et puis, au début, quand vous écrivez, vous ne me répondiez pas tellement souvent. Moi aussi, je répondais. Pas à toutes vos lettres, évidemment, il y en avait tellement. Une fois, j'ai compté, j'en avais reçu 19 dans la même semaine. Je me demandais même quand vous preniez le temps pour les écrire. Oui, moi aussi. Et puis, elles n'étaient pas toujours très gentilles, hein? Odile, quel est votre jour de repos? Le mercredi. Bon, alors, vous venez dîner à la maison, mais quand vous êtes? Ah, très bien, entendu. D'accord, volontiers. Alors, Marie-France Pizier continue sa carrière d'actrice. On sait que Jean-Pierre Léaud, on le revoit beaucoup, et c'est tant mieux, notamment d'une manière absolument exceptionnelle dans le dernier film d'Assayas. Et vous, Claude Jade? Et moi, j'essaye de continuer aussi. Avec plus ou moins de bonheur, parce que j'ai abordé un autre emploi et que, bon, maintenant je joue les mères de la jeune fille que j'ai jouée. Ce qui est logique, c'est l'évolution. Et si vous aviez une image à nous donner de ce qui vous reste dans la mémoire de François Truffaut, ça serait l'image de quel film? Des films que j'ai tournés avec lui? Oui, ou d'autres, comme vous voulez. Pour moi, je pense que le rôle le plus intéressant a été celui qui est, du personnage de Christine, mais dans Domicile conjugal. C'était le plus... celui qui permettait de faire le plus de choses, le plus amusant finalement. Mais je pense que parmi les films que j'ai tournés, le plus joli, c'est tout de même Baiser volé. Est-ce que c'est un poète de l'amour ou c'est un cinéaste qui est plutôt un cinéaste des histoires, y compris de l'histoire contemporaine pour vous? Je crois que François a abordé des domaines tellement, tellement différents. Moi, c'est ce que j'aime, c'est la variété de ses films. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais cantonné dans une... Entre Le Dernier Métro et Baiser volé, c'est vrai que c'est incroyable. Ce qu'il disait, il disait toujours qu'il aimait bien alterner un grand film et un petit film. Un petit film, c'était Baiser volé, c'était des choses comme ça, beaucoup plus légères, et puis après, avoir une artillerie un peu plus lourde. Et il aimait ça. Alors, que restera-t-il de François Truffaut, Marie-France Pizier? Il reste un très beau livre, il reste le souvenir de ses films. C'est vrai qu'on voit beaucoup plus à la télévision qu'au cinéma. De temps en temps, il y a des rétrospectives, mais
Il est de moins en moins accessible au public. C'est-à-dire que pour les gens qui l'ont connu, il reste un repère quelque part. Vous parliez qui vous fait rappeler votre père. Moi, je lui ai toujours dit qu'il était pour moi un repère. Mais pas uniquement sur un repère. Un repère, oui. C'est vrai. Un repère de brigand. Un repère de brigand aussi. Mais c'était quand même quelqu'un qui était très sévère. Et moi, c'est ce que j'aimais chez lui, parce qu'on s'engueulait beaucoup. Et qui avait quand même, par rapport à la morale, étrangement, des idées extrêmement fermes, extrêmement violentes, et qui faisait qu'on s'engueulait. Parfois, mais il vous écoutait. Oui, il m'écoutait, mais c'est parce que j'avais une grande gueule et que je ne me laissais pas marcher sur les pieds. Mais je veux dire, il était étonnamment sévère. C'est vrai qu'on parlait, on faisait allusion... Père fouetteur, un peu. Aux lettres d'injure qu'on a reçues. On a tous engueulé par Truffaut. D'une façon effroyable. Mais si vous voulez, il y a ce côté... Moi, ce qui me reste de lui... J'ai un immense amour pour cet homme, mais je frissonne toujours un peu en me disant « Merde, qu'est-ce qu'il aurait pensé que je... » Vous voyez toujours l'œil de François Truffaut sur vous, brodé. Il y a un côté très très moral chez cet homme qui morale artistique, très dur. Moral, pour répondre à votre question, Serge Toubiana, je pense quand même que la présence de François Truffaut aujourd'hui se manifeste quand même de façon profonde, parce que quiconque fait du cinéma ou quiconque va au cinéma ou aime le cinéma croise Truffaut. Je veux dire qu'il est au carrefour du cinéma français. Même s'il est de la qualité française, au sens le plus. Ah quoi, non. Oh bah écoutez, vous élevez, mais il en a reçu des. Non, du cinéma. C'est-à-dire que quiconque se pose la question de comment faire du cinéma, comment se poser les questions à la fois pratiques. C'est pas injurieux la qualité française. Raconter, écrire, travailler, collaborer, diriger, se raconter, être présent dans ses films tout en étant dilué, caché dans le maquis d'une histoire. Quiconque se pose ces questions croise Truffaut sur son chemin. C'est comme ça, parce que je crois que cet homme s'est posé toutes les questions du cinéma. Voilà, exactement. Soit comme critique, soit comme journaliste, soit comme polémiste, soit comme cinéaste, soit comme producteur, comme écrivain, comme écrivain, rappelons Hitchcock. Je crois que ça, c'est incontournable. Il a tricoté et tissé un faisceau, une maille de questions qui font que quiconque se retrouve pris dans ses mailles aujourd'hui, si on veut être sérieux et honnête, je crois. On va demander à Marion Vernoux si elle se retrouve otage volontaire de François Truffaut. Ce qui est magnifique avec une carrière comme celle de François Truffaut, c'est qu'on le rencontre effectivement. C'est comme certains auteurs, on peut les rencontrer à plusieurs âges. Moi, quand j'ai vu La Nuit américaine, je devais avoir 9 ans, je sais pas, à la télé. C'était drôlement jeune. Non, au à cinéma, la télé. Non, mais comme ça, c'est simplement un film très accessible. Puis quand je le revois maintenant, effectivement, je regarde autre chose. Je me dis, merde, comment c'est raconté, comment c'est filmé, comment c'est joué. Ou Jules et Jim, enfin des films comme ça qu'on a, ou Les 400 coups. C'est vrai qu'on peut, moi je sais pas, Godard, la première fois que j'ai vu Le Mépris, enfin, je devais être gourde, mais j'ai eu un fou rire parce que je trouvais ça ridicule. Puis maintenant que je suis grande, je regarde, puis bon, c'est un chef-d'œuvre. Truffaut, c'était tout de suite, ça marche à tout âge et à tous les coups et différemment. Il répétait ce que disait Howard Hawks, je fais des films normaux pour des gens normaux. C'est ce qu'il disait. Oui, donc qualité française. C'est tout normal. C'était pas la qualité française, parce que je peux vous dire ce qu'il me disait d'autant. J'ai été FR3, qui était encore FR3, m'avait demandé, c'était du temps de Contamine, de faire Edouard Bette, je ne sais pas si vous vous souvenez d'eux, si vous ne les avez jamais connus, m'ont proposé à fin des années 70. Si on a été jeune, tu sais. Ah bon, oui, c'est vrai, moi je suis un vieillard. J'ai connu le muet. À 3 ans, mais je l'ai connu. C'est une remarque importante sur le muet. Parce que quand on parle d'Hitchcock, il est très souvent qu'un film puisse se voir sans le son. C'est-à-dire une interruption, l'histoire devait continuer. Parmi toutes les choses sur lesquelles il était extrêmement attentif et qui l'intéressait beaucoup, c'était arriver à exprimer les choses sans parole, c'est-à-dire retrouver les procédés du muet. Et en particulier, les dialogues comptent énormément quand même dans les films de Truffaut, mais comme trame des histoires aussi. Contrepoint à ce qu'on voit. C'est ça qui était extraordinaire chez François, ce qui était extraordinaire chez Lubitsch, chez les plus grands cinéastes. C'est-à-dire que le dialogue n'existe pas en tant que tel, mais il existe en tant que contrepoint. D'où l'usage de la voix off dans Jules et Jim et dans Les Deux Anglaises. Mais ce que je trouve très beau, moi, dans le travail de Robin que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est que justement, comme ce sont des lettres de Truffaut et qu'on a pris l'habitude au cinéma d'entendre les dialogues de Truffaut où tout le monde parle à peu près pareil, on a vraiment l'impression d'assister à un film. Vous savez, les dialogues de Truffaut, c'est extraordinaire, la façon dont ils nous ont tous parlé sur le même plan, comme les ça. Les scénarios qu'on faisait, les dialogues qu'on faisait, ils les remarchaient. Elle aussi, elle est scénariste, hein, Marie-France. Je le sais, Marie-France. Hein, mais
pas connu l'âge du muet. Et elle aime les garçons bouchés. Vous l'avez pas connu? Je suis intrigué par votre idée de la qualité française, parce qu'il y a une chose... Parce que je fais allusion à un passage de votre livre, où vous évoquez toutes les récompenses qu'a obtenues François Truffaut. Mais ça ne veut rien dire, ça, les récompenses. Ça n'a rien à voir. Et finalement, il n'en était pas si mécontent. Truffaut a été reconnu. Non, mais Truffaut a été reconnu. Il a été célébré. Non, mais ce qui fait que Truffaut est complètement rétif à la qualité française, c'est que chez lui, le monde des adultes n'est pas un monde adulte. C'est un monde totalement passionnel, totalement infantile. Depardieu, Léo, Trintignant, Charles Denner ne sont pas des hommes comme on est un homme chez Autant Lara ou chez Delannoy. C'est pas vrai. C'est des allumés, c'est des enfants qui ont grandi, qui sont tombés dans une drôle de mixture, si vous voulez. Qui fait que chez Truffaut, le mode de l'enfance est totalement présent. Et ce n'est pas la qualité française. La qualité française, c'est un cinéma d'adultes où les jeunes sont complètement haïs. Chez Truffaut, il n'y a qu'une part qui est la part majoritaire. C'est pour ça que je finis ce que je disais. Ouais. Même dans le dernier métro. Quand John m'a proposé la Chartreuse de Parme avec Comencini, il m'a dit, finalement c'est Bolognini qui l'a fait, mais enfin ça c'est les histoires de cinéma et de télé. Il m'a dit, je lui ai dit, est-ce que je peux accepter, parce que je sais que le vieux Autant Lara, il essaye depuis longtemps de monter sa charte. Il dit, accepte, de toute façon, il vaut mieux qu'il ne le fasse pas, parce que même si c'est très mauvais, ça ne pourra jamais être aussi mauvais que ce que fera Autant Lara. C'est vous dire qu'il y avait des rancunes contre la qualité française. Ouais. Ouais. Oui, j'ai perdu son collier aussi. Ouais. Par contre, Duvivier, il aimait bien. Alors, à la fin de votre livre, qui se lit comme un roman, il y a les 40 dernières pages qui nous font pleurer. Vous y racontez la fin. Ah oui, enfin, c'est très, très émouvant. C'est très simple. D'ailleurs, vous ne cherchez pas non plus à en rajouter, comme on dit. Et finalement, on a l'impression que François Truffaut était en plein élan, qu'il avait beaucoup de projets et que tout s'est immobilisé pour lui. C'est vrai. Ben, oui, parce que, d'abord, tout simplement, Truffaut pourrait être là. Il serait... Il aurait 64 ans. Il serait un cinéaste totalement... Et c'est vrai qu'il est mort à un moment où ça repartait très fort avec des projets beaucoup autour de Gérard Depardieu et de Fanny Ardant. Il avait trouvé en Gérard Depardieu une espèce de figure, d'alter ego, et de figure idéale, un petit peu d'homme à la fois adulte, mais pas totalement adulte, comme je le disais tout à l'heure. Et puis il avait, un projet énorme avec Jean, qui était 0014 pour la télévision. Qui est devenu Belle Époque et qu'on va pouvoir voir sur TF1 après l'avoir vu sur Canal+. Né de cuir qu'il voulait faire d'après La Varande et puis beaucoup d'autres projets. Ouais. L'Agence Magique. Il avait vraiment remis plusieurs projets au travail. Il disait qu'il avait réactionné la machine à raconter des histoires. Et je crois que c'est quelque chose. Il a été stoppé au moment où cette machine reprenait. Son élan. Et puis il devenait papa pour la troisième fois. Enfin, il y avait quelque chose qui. Un cycle qui s'inaugurait, donc qui aurait amené peut-être des choses formidables, peut-être d'autres moins bien, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose un peu absurde. Alors donc, dans notre biographie, ça finit un peu comme une espèce de. Comme une image arrêtée. Voilà, oui. En tout cas, pour retrouver son grain de voix, son amour du cinéma, son amour aussi des histoires. Bien, il faut lire le livre d'Antoine Debecq et Serge Toubiana, donc dans la collection Biographie chez Gallimard. On peut lire aussi donc Jean Gruau, François Truffaut, Belle Époque, Gallimard. C'est le dernier scénario que vous publiez avant qu'on puisse tous voir le film. Et puis aussi un très beau livre, François Truffaut, Les films de sa vie, d'Annette Insdorf, qui était une de ses amies qui vivait en Amérique. On va se quitter peut-être, avant d'entendre Lise Macomb qui nous attend patiemment juste là, derrière, de l'autre côté dans le noir, avec une lecture. Oui, avec un peu d'humour pour ne pas rester sur une fin trop triste. Ouais. Alors, je rappelle, Robin Renucci, qu'on peut vous entendre tous les soirs au Théâtre du Rond-Point à Paris, vous mettre les pas dans les pas de François Truffaut. Oui. Eh bien, ça va rappeler beaucoup de souvenirs à Jean Gruau qui est présent, parce que la deuxième partie lui est adressée. C'est à France Guil, vous vous souvenez, Jean, évidemment, de cette scénariste qui a fait durer longtemps le plaisir de la créativité de Adèle H. À France Guil, donc mademoiselle, la somme de 200 000 francs, 20 millions anciens, que vous croyez pouvoir demander pour votre collaboration éventuelle au scénario de l'histoire d'Adèle, en supplément aux 30 000 francs, nouveaux francs, pour le droit d'utiliser votre biographie, est tellement disproportionnée qu'elle m'apparaît comme contraire à la logique, à l'usage et au bon sens.
Nous abandonnons donc, Jean Gru et moi, ce projet de film, avec d'autant plus de tristesse et d'amertume que nous n'avons jamais rencontré une telle situation en 15 ans de cinéma. Par le même courrier, je dois informer M. Jean Hugo de cet échec, dont, selon moi, vous portez l'entière responsabilité. Croyez, chère mademoiselle, à ma profonde déception. François Truffaut. Mon cher Jean, j'espère que tu vas t'asseoir avant de lire la copie de la lettre qu'il me faut envoyer à Miss Gilly. Miss Gill. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu avais cédé à ses avances, elle eût été payée en nature et se fût montrée moins exigeante. Mais tout ce travail... Pas de commentaire. Le tien, surtout, pour rien. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. 6 mois après la mort de cette salope, je donnerai le premier tour de manivelle de l'histoire d'Adèle. Ami François. Merci, merci Robin Renucci. Elle est morte après. Oui, 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 elle est morte juste après. Et François était bien content. Une semaine après, pour en finir avec Adèle. Ouais. Mon cher Jean, pour en finir avec Adèle, Miss Gilly est morte à Worcester dans son collège, une semaine après avoir vu le film au Festival de New York. Crise cardiaque, ton ami François.